La soumission de la déclaration d'impôt et le paiement par voie électronique pourront se faire jusqu'au 15 octobre 2019. Une décision prise ce matin par les responsables de la Mauritius Revenue Authority pour permettre aux contribuables de compléter cet exercice. La loi prévoit que quand une personne peut soumettre sa déclaration en ligne, c'est-à-dire par voie électronique, et qui lui aussi effectuer le paiement de l'impôt par voie électronique, c'est-à-dire par direct debit ou carte de crédit, lui ayant un délai additionnel jusqu'au 15 octobre. Maintenant, si un du monde, après le 30, c'est-à-dire demain, lui remplit ce forme par voie électronique et lui vient payer à la MRA et cash, chèque, mais définitivement, ça du monde, il peut avoir une pénalité. Ce week-end, la MRA a mis à la disposition des contribuables 18 centres FITA où pas moins de 11 599 fiches d'impôts ont été collectées. Passé le délai du 15 octobre, les contribuables qui n'ont pas soumis leur déclaration d'impôt seront passibles d'amende.